Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie que de nous retrouver autour de cet autel. Et avec la Vierge Marie, entrons donc dans cette Eucharistie par reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Péché. Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Ézéchiel. La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m'emporta, et je me trouvai au milieu d'une vallée qui était pleine de semences. Il m'en fit faire le tour, le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit : Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prononce un oracle sur ces ossements. » Tu vas leur dire, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse un oracle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu vas dire à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre.
et l'Esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une immense armée. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est tout le peuple d'Israël. » Car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Eh bien, adresse-leur cet oracle. Ainsi parle le Seigneur Dieu, « Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établit. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile selon saint Matthieu, la question qui est posée par les pharisiens à Jésus est toujours cette question que tout le monde nous pose à chaque instant. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je dois faire d'essentiel? Quel est l'urgent et quel est le secondaire? Quel est le grand commandement? Et nous, les prêtres, nous passons notre temps à essayer de répondre comme Jésus. Il faut aimer le Seigneur, aimer le prochain comme soi-même. Mais nous avons l'impression que chaque fois que nous répondons cela, cela ne suffit pas à ceux qui nous posent des questions. Comme si cette réponse était évidente, ou comme si cela faisait le même effet que de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. C'est-à-dire, rien du tout. Comment se fait-il qu'on soit arrivé à être si affadi pour ne pas prendre au sérieux cette réponse du Seigneur? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi cela nous paraît peu important, comme s'il fallait encore d'autres choses, comme s'il fallait encore inventer d'autres commandements? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas mesuré ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il faut aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et le prochain comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est à chaque instant de sa vie mettre Dieu au centre, parce que Dieu est au centre depuis l'origine jusqu'à la fin de nos jours. Dieu est au centre. Mais avons-nous conscience de ce que ça veut dire? Sommes-nous si persuadés que cela, que Dieu est au centre de notre existence?
quand je me lève, quand je me couche, quand je suis heureux, quand j'ai un coup de blues, est-ce que Dieu est celui à qui je m'adresse pour dire « Merci Seigneur, encore une journée » ou « Merci Seigneur, quelle belle journée ai-je passée » ou bien « J'ai eu tel ennui, tel souci, comme on dit aujourd'hui, je te demande de m'aider » ou bien « Telle chose a été formidable, je te remercie » ou bien « Demain, je vais faire ceci, cela » Est-ce que c'est bien ce que tu souhaites de moi ? Et en même temps, mon prochain, est-ce que je l'aime comme moi-même ? Est-ce que je lui laisse ma place ? Est-ce que je passe derrière lui ? Est-ce que je me sers après lui ? Est-ce vraiment mon prochain ou mon lointain ? Tout cela, nous avons perdu, me semble-t-il, de vue l'essentiel que cela représente. Le Seigneur doit être au centre de notre existence. Alors aujourd'hui, nous avons quelqu'un que nous fêtons et qui a mis le Seigneur au centre de sa vie, Marie. Que tout se passe pour moi selon ta parole, que ta volonté soit faite. Je suis ta servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mon âme exalte le Seigneur. On peut repasser dans notre vie aujourd'hui, dans notre cœur, toutes les phrases de Marie qui faisait de sa propre vie une référence permanente à son Seigneur, à sa volonté, à son amour, pour qu'elle réponde sans cesse à son appel. Sa disponibilité de cœur, d'esprit et de corps était tout entière. Alors demandons à Marie, pendant cette Eucharistie, vous voulez bien, de nous former, de nous éduquer, de nous apprendre à suivre son exemple pour découvrir l'importance que le Seigneur peut prendre dans notre existence, car il nous appelle sans cesse à davantage, à plus, pour continuer de servir la gloire de Dieu et le salut des hommes. Amen.
Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions. Que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, et que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, tressaillent d'une même allégresse, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Jean et Gabriel. Souviens-toi aussi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ce
sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement. Nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Sommes-nous d'être, une fois de plus, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement, parole de Jésus, le corps et le sang.
Bienheureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nourri par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Eh bien, je vous confie, ainsi que mes confrères qui ont concélébré la messe avec moi, un prêtre de passage, le Père Gaston, donc l'amour de Marie pour vous et pour les vôtres. C'est pourquoi nous nous tournons vers Marie pour chanter. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrima. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedicum, frutum ventris tui, nobis post hoc concilium, os fer.